Allô Louise, je fais cette vidéo-là juste pour toi. Ce logement ici est habité par un Africain qui avait 4 enfants. Fait que la première chose qu'il fallait faire, c'était de réparer tous les dommages qu'ils ont fait sur les murs. Puis, comme qu'il était dans les travaux, ben moi, il fallait que j'enlève mes outils parce que, comme tu vois, ils ont commencé la peinture. Fait qu'eux autres, ils mettent des couvertures partout. Ils ont commencé par aussi peinturer les portes de garde-robe. La porte d'entrée. Regarde-moi ça, le bel job. Ils enlèvent les poignées pour bien peinturer, pour faire des découpages. Ensuite, c'est un plancher flottant en bois qu'on a. Mais, la semaine dernière, les gars, ils ont installé un plancher en plastique dans la cuisine. Puis là, tu peux voir, une minute, je vais te montrer. Tu vois, on a tout jeté les portes parce qu'on les change, peinturé l'intérieur des armoires de cuisine. Ouais, fais ça vite. La batterie s'en va sous le yard. Salle de lavage aussi. Nouveau plancher. Salle de bain pleine de réparations. Regarde-moi ça. Faut réparer ça. Ensuite, tu vois, réparer les garde-robes. Ils sont tout croches tout le temps. Encore des trous, regarde-moi ça, tous les trous qu'il faut réparer. C'est écœurant, hein, comment c'est sale ici. Là, t'as la chambre principale. Des trous, regarde. Des trous tout le temps. Les portes de garde-robe ont été enlevées. Hop, il me reste un outil ici. Fait que tu comprends un peu plus là, que les gars ont commencé la peinture. Ça va être beau là, quand on va terminer ça. Mais là, on a de la couleur. Choisis quelle couleur. Il y a comme ici. Hop, tu verras peut-être pas couleur. En tout cas, on met de la couleur dans la cuisine. Ah, c'est la job. Tiens, j'ai déjà acheté tous les boutons. Pas d'armoire, ils vont être stainless. Puis même les peintures, stainless. J'ai commandé des portes neuves. Fait qu'on met des portes neuves avec un look stainless. Fait que c'est à peu près là-dedans que je passe mon temps. Ouais. Bon, je vais arrêter ma batterie. Merde.